Salut! Ça fait maintenant un mois qu'on t'a annoncé ici sur YouTube qu'on déménageait à Uzès dans le sud de la France. Uzès, donc c'est dans un triangle en fait, c'est entre Nîmes, Avignon, Alès, à peu près 30 km de chaque ville. Et c'est une ville qui compte 9000 habitants à l'année, mais qui monte jusqu'à 18000, donc le double l'été, parce que ça a vraiment du charme et du coup il y a beaucoup de touristes qui viennent. Oui, du coup aujourd'hui bah, c'est samedi, à Uzès c'est le jour du marché, donc on va aller faire une petite balade et on va en profiter pour te montrer quels sont les incontournables à visiter à Uzès. Et on se retrouve pour le premier incontournable. Juste là, on prend un peu de hauteur, là, en haut du duché. À c'est parti. 130, ça marche, ça pique un peu. L'un des incontournables à Uzès, c'est la vue à 360 degrés sur les toits de la ville et la vallée environnante depuis le duché. C'est vraiment un truc à faire quand on vient à Uzès. Ça coûte seulement 10 € par personne le samedi. En optant pour la visite du duché, tu auras l'opportunité de découvrir l'un des ensembles féodaux les mieux conservés au centre-ville. Sa construction a débuté par son donjon, ses remparts et ses tours d'angle qui avaient une utilité défensive. Quant à sa façade de type renaissance, elle nous a éblouis de par son état de conservation. Le duché a ensuite traversé les siècles et les péripéties et se tient toujours fièrement debout aujourd'hui. La visite des appartements permet de découvrir l'histoire de la famille de Crussol d'Uzès qui habite encore aujourd'hui dans ces lieux et ce depuis maintenant plus de 1000 ans. D'ailleurs, on dit que quand le drapeau est levé, c'est que le duc est là. Et on confirme, car on l'a croisé. On espère que l'histoire du duché t'aura passionné. Nous, on se retrouve tout de suite après à la Place aux Herbes, un autre incontournable à Uzès. Regarde, c'est juste là. Bien plus qu'un marché, c'est une véritable institution qui se tient Place aux Herbes chaque mercredi et samedi matin. Le mercredi, c'est rendez-vous avec les producteurs des fruits, des légumes et de l'huile d'olive, du vin, de la truffe. Tu y trouveras tous les bons produits du terroir. Le samedi, c'est une autre ambiance, avec ses 200 exposants, c'est un rendez-vous coloré et immanquable de passage à Uzès. On dit d'ailleurs que le marché d'Uzès est l'un des plus beaux de Provence, tu nous en diras des nouvelles. Après avoir fait un petit tour du marché, on t'invite à te perdre dans les rues d'Uzès. Nous là, on est en direction du jardin médiéval. C'est un jardin botanique qui est inspiré des jardins qui ont été faits au Moyen-Âge. Et petit plus, on peut monter à la Tour du Roi pour avoir une autre vue panoramique de la ville. Le jardin médiéval nous a séduit, un véritable coup de cœur pour cet espace de verdure en plein centre-ville d'Uzès. Plusieurs espaces se découvrent au fil de la visite, l'herbalurium, les salles d'exposition, la tour de l'évêque et sa chapelle, des anciennes cellules de prison. Pour finir en beauté, en haut de la Tour du Roi avec un panorama sur les toits d'Uzès et sa région, comme en haut de la Tour du Duché. C'est pratique parce qu'il est en plein centre-ville et en plus il est dans la plus jolie rue d'Uzès, en tout cas nous on trouve. Et petite anecdote assez rigolote, le premier Airbnb qu'on avait à Uzès se trouvait juste ici. On a mis une photo sur Instagram et il y a des gens qui pensaient que c'était notre appartement. Bon, malheureusement non, mais en tout cas cette rue c'est vraiment pour nous la plus jolie d'Uzès, donc si tu veux venir ici, passe par cette rue et fais une jolie photo. Maintenant direction la vallée de l'Eure. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est la vallée de l'Eure, c'est l'endroit où tu peux te rafraîchir l'été à Uzès parce qu'il fait super chaud dans le Gard, c'est incroyable. Là on n'est même pas au mois de juillet, il fait déjà plus de 30 degrés, crève de chaud. Au cœur de la vallée de l'Eure se trouve un vestige plutôt curieux. En s'y approchant, on apprend qu'il s'agit du bassin de régulation qui réglait le débit d'eau dans l'aqueduc. On ne te l'a pas encore dit, mais Uzès a été pour les Romains un lieu stratégique. C'est dans la vallée de l'Eure, au bord de l'Alzon, qu'ils captaient l'eau acheminée jusqu'à Nîmes par un aqueduc de 50 km au 1er siècle de notre ère. Le pont du Gard, situé à une vingtaine de kilomètres d'Uzès, en faisait partie. On t'en fera sûrement une vidéo plus détaillée, car c'est une histoire qui vaut vraiment le détour. On s'est posé pour faire un break et aussi pour te faire un petit récap du coup des 4 incontournables à avoir à Uzès. Donc on t'en a montré 4. Donc le duché, la place aux herbes, le jardin médiéval et enfin la vallée de l'Eure où on se trouve actuellement et c'est parfait pour pique-niquer. Ouais, c'est vraiment un endroit hyper calme, serein, paisible. Ouais. Là on a pique-niqué face à la Décigne. Voilà. Ouais, c'était vraiment super. Donc franchement si t'es de passage dans le Gard, on te recommande vraiment de faire un stop à Uzès, c'est une petite perle. Pour un week-end, une semaine, une journée, franchement ça vaut le détour. Certains l'appellent la petite Toscane, non, c'est ça? Ouais, il y a des airs de Toscane, d'Italie. Ouais. Mais par contre ce qu'on a oublié de dire c'est qu'il y a un cinquième incontournable. Mmh. Mais ça on se le garde pour une prochaine vidéo je pense, non? Ouais, je pense qu'on fera une vidéo dédiée. Mmh. On dit ce que c'est? Allez. Du coup le cinquième incontournable à Uzès, c'est le musée du bonbon, parce que c'est à Uzès qu'il y a l'usine Haribo. Ouais. Donc voilà, elle est un peu excentrée, c'est pour ça qu'on l'a pas faite. Donc si jamais tu veux qu'on fasse une vidéo spécifiquement sur le musée Haribo, dis-le nous dans les commentaires et puis bah nous on se fera un plaisir de te montrer l'usine. Oui. Et surtout bah
fera une petite dégustation, je pense, ça sera obligé. Ouais, je pense. Enfin, donc ça nous dit bien de le faire, en tout cas. Voilà, donc on espère que cette petite vidéo sur les incontournables à Uzès t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager. À commenter, à liker. Et puis, on te dit à plus tard. Ouais, pour une vidéo dans le sud de la France. Bye bye, bye.